Bonjour, alors je vous accueille aujourd'hui dans le jardin version hivernale avec un rayon de soleil et je viens vous montrer mon châle Wendy's Fern que je viens de terminer. Voilà, je recule pour vous le montrer entier. Alors vous voyez que c'est un petit châle. C'est un petit châle de printemps, n'est-ce pas, qui va très bien faire son office pour le printemps. Alors, à porter comme on a envie, voilà. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est agréable à tricoter, agréable à porter. Et voyez, pour une journée comme celle-ci, où il ne fait quand même pas froid, enfin pas froid, je crois qu'il fait 9 degrés, bon, ben, c'est suffisant pour avoir ça dans le cou. Voilà. Alors, le Wendy's Fern que j'ai fait avec la laine Merino 100, donc du Merino Superwash de Christelle Tricote. C'est le coloris La Mer quand il fait pas beau. Alors, je vous le remontre comme ça. Alors, c'est une laine... qui est un faux uni, on va dire, parce que elle est légèrement moirée. Enfin, c'est un très joli coloris. Voilà. Et le Wendy's Fern, eh bien, on le commence d'un bout, ici. Pardon. On le commence d'un bout, ici. En point mousse avec augmentation d'un côté, diminution de l'autre. On intègre cette dentelle que je vous la montre bien, voyez, où il y a trois jours comme ceci et trois jours dans l'autre sens en flèche. On refait une section de point mousse. On intègre une nouvelle section de dentelle où on agrandit, où il y a 5 jours de chaque côté, resection de point mousse, resection de dentelle. Alors là, je crois qu'il y a 7 jours, une nouvelle section de point mousse et là, une très grande section de dentelle qu'on ne fait pas en flèche. Et donc, théoriquement, elle s'arrête, la section de dentelle s'arrête ici. Mais moi, j'ai continué pour pouvoir utiliser tout mon écheveau de la même façon avec la dernière section de point mousse qui normalement comprend 4 ans et où moi, j'ai dû en faire au moins 8 ou 10. Et je vous montre parce que j'ai pas rentré le fil, j'ai même pas rabattu la dernière maille. C'est vous dire la confiance que j'ai dans mon tricot. Voilà, voilà, je suis allée... au bout du bout, vous voyez que ça, c'est vraiment le bout du fil. Hein, y a même le petit nœud de départ qui attachait les chevaux. Et j'ai commencé à l'autre bout, j'ai pas pareil. Vous voyez, c'est même processus. Donc, j'ai utilisé l'intégralité de les chevaux à 100%. Et voilà.
Donc, ne vous attendez pas à avoir un châle très profond. Si je compare avec les chevaux pluie d'étoiles que je vous avais montré dans ma dernière vidéo qui était terminée, eh bien, si je les superpose, vous allez voir que le Wendy's, il fait la moitié. Vous voyez ? En superposition, vous avez la moitié, logique, vous n'avez qu'un écheveau. Mais moi, je referai le Wendy's en le faisant un peu plus profond. Ça doit être possible en intégrant les augmentations, mais moins de diminution. Et puis en mettant peut-être deux écheveaux. Parce que j'aime bien le principe du point qui est pas prise de tête et qui est assez joli. Voilà, alors je me suis mise un peu au soleil. Mais donc, c'est très bien. Moi, je suis assez satisfaite de ce petit modèle. Voilà, vous voyez. Je suis très contente de mon petit châle qui me va bien. Voilà, tout à fait suffisant pour une petite journée de printemps ou pour mettre dans l'encolure d'une veste. Voilà, alors ce que je veux vous montrer aussi aujourd'hui, c'est que j'ai continué mon expérience de teinture. Ça sent la boisson puisque c'est colorant Cool Head. Alors ici, j'ai utilisé le violet et le reste de rouge que j'avais d'un sachet entamé. Alors, ça donne ce petit mélange qui est plus lumineux que ce que vous voyez, c'est dommage. Voilà. Est-ce que si je me mets... Voilà. Bon, c'est un peu mauve. J'avais fait des speckles au départ, des speckles rouges, et puis j'ai ajouté ce mauve qui n'est pas mon mauve de prédilection, mais pour faire des chaussettes, ça ira. Et puis, j'ai voulu faire vraiment des speckles colorés sur le blanc, et ça donne ça. Alors là, c'est juste en mettant les petites taches, vous voyez, les petites taches de couleur. Alors, il y a du rouge et du mauve. Colorant alimentaire, je vous rappelle, sur une laine sans mordançage, puisque il y a de l'acide citrique dans le Cool Head et qu'on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Alors voilà ce que ça donne. Voilà, là vous voyez. Bon, j'ai essayé de répartir mes speckles à peu près correctement. Ma foi, ça me plaît bien, donc je vous montrerai ce que ça donne tricoté. Et j'ai commencé de tricoter mon écheveau teint, je vous ai montré la dernière fois. J'ai commencé une paire de chaussettes, les Sweet Woodruff. Je vous avais montré le patron dans une de mes dernières sélections. Alors il y a une petite torsade et puis des jours, voilà. Alors j'en suis, j'ai passé le talon, voilà. C'est pas mal hein, en coloris, vraiment. Voilà, c'est rigolo. Alors comme c'est pas uni, on voit pas forcément beaucoup le motif, mais enfin c'est pas mal. Voilà,
C'est un rose un peu corail. Oui, vous avez à peu près le bon coloris. Voilà. Rose corail. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je voulais vous montrer le résultat de mes tests de teinture. Et puis, je vous reprendrai dans quelques jours. Je vais faire mon petit épisode en plusieurs fois. Et de cette façon-là, je vais pouvoir, entre-temps, tricoter, commencer à tricoter cet écheveau. Et comme ça, je pourrai vous montrer ce que ça donne dans la suite de ma vidéo, ce que donne cet écheveau une fois tricoté. Et on sera complet sur le sujet de teinture amateur qui, ma foi, est un amusement plus qu'autre chose, hein. Mais voilà. Donc je vous dis à bientôt. Pour vous, la suite arrive tout de suite après. Et moi, je vais en vais tricoter. À bientôt! Alors on continue aujourd'hui. Je suis toujours en extérieur. Il fait moins beau, mais ça fait rien. On profite, on profite. Il ne pleut pas, donc je suis dehors. Alors je suis bien emmitouflée. J'ai mon châle Soulight de Bérengère Caillot. C'est un petit châle, enfin un petit châle. C'est un grand châle. Je vous le montre. C'est un grand châle. Très facile à faire. Très agréable à tricoter, pas prise de tête. Moi j'adore, il est bien chaud. Je l'ai fait en deux fil lace, un mohair et la drops lace qui n'existe plus malheureusement. Enfin, je pense qu'on peut. J'avais fait quelques recherches et on peut trouver des fils similaires dans d'autres marques. Mais c'est vrai qu'elle est bien chaude et toute légère. C'est vraiment agréable. Et puis, alors, dessous, j'ai un pull que j'ai fait en manche un peu 7/8e. Qui est en flora et en kid silk. C'est un modèle de Béatrice Cordelia Vore. C'est un basique colvé. Voilà, un basique colvé. Vous voyez, avec des côtes une que j'ai fait en torse. Moi, j'aime bien les côtes torse. Et puis, l'avantage de ce modèle, c'est qu'on a la bande d'encolure qui est faite en même temps. Et moi j'aime bien ça, il n'y a pas de. Excusez-moi, j'ai les yeux qui pleurent dès qu'il y a un petit brin de vent. Oui, alors j'aime bien ces pulls qui sont faits avec les bandes d'encolure en même temps. J'ai horreur de reprendre les mailles. Je ne suis pas douée du tout pour faire ça. Et donc du coup, là, c'était bien pratique, bande d'encolure en même temps. Alors, on va faire la suite de notre aventure tricotesque. Je me redescends avec mes teintures parce que je peux vous montrer que j'ai tricoté mon fil avec des speckles. Ma foi, c'est pas mal. Et puis l'autre que j'avais fait en teinte plus foncée, celui-là. Je l'ai utilisé pour faire le talon. J'avais pensé que je ferais la pointe. Et puis finalement, pour la pointe, j'ai utilisé une méthode que j'ai trouvée dans un modèle. L'autre modèle que j'ai tricoté, c'est fait en étoile. Alors ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas à réfléchir.
faudrait quand même que je remonte ma caméra. Il n'y a pas à réfléchir. C'est quand vous commencez, vous faites, vous tricotez 6 mailles, vous tricotez 2 mailles ensemble, et 6 mailles, 2 mailles ensemble, 6 mailles, 2 mailles ensemble, vous faites tout le tour. Le rang d'après et le rang suivant, tout à l'endroit. Au quatrième rang, vous faites 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, re-deux rangs en tricoté à l'endroit. Et au rang encore après, vous faites 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles endroit, et ainsi de suite. Sauf qu'à partir de 3, vous ne faites plus 2 rangs entre 2, mais un seul. Et puis après, vous ne faites même plus, vous faites 4, tricoter 2, 2 mailles ensemble. Le rang suivant, vous faites un rang. Et le rang d'après, vous faites une maille endroit, 2 mailles ensemble. Et le rang suivant, vous faites 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Et après, vous faites un grafting, il doit vous rester 4 mailles ou 6 mailles, enfin, voilà. Et ça fait une petite, très arrondie. Alors, celle-ci, je me suis un peu plantée parce qu'au lieu de faire 2 rangs entre chaque, j'ai fait qu'un seul, mais c'est pas grave, ça va quand même. Et voilà, alors ça c'est un petit modèle qui n'est pas un modèle, c'est moi qui me suis inventé mon modèle. donc j'ai fait des côtes torse, et puis j'ai fait après des côtes torse, une maille, 3 mailles. Et ensuite, sur le corps de la chaussette, j'ai arrêté ma côte torse, la première et la dernière, et j'ai continué en jersey en vert. Et puis après, j'ai fait 3-4 ans, j'ai arrêté l'autre côte, et ainsi de suite, pour faire comme une pointe. Et puis après, j'ai fait du jersey en pointe aussi. Comme ça, une petite fantaisie, hein, c'est pas bien, voilà. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est que mon talon, j'ai fait un talon renforcé, mais au lieu de le faire en maille en droit, je l'ai fait en maille en vert. Voilà, c'est-à-dire, c'est une maille glissée en la prenant à l'envers, vous passez votre fil derrière, vous tricotez la maille suivante à l'envers, vous repassez votre fil devant pour tricoter à l'envers, vous repassez votre fil derrière pour glisser une maille, et puis au rang de retour, vous tricotez tout à l'endroit, c'est-à-dire que vous êtes à l'endroit sur l'envers et à l'envers sur l'endroit. Et donc ça fait voilà, ça donne ça sur l'envers, et ça donne ça sur l'endroit. Et ce talon, je l'avais testé une première fois, enfin pas, je ne l'ai pas testé, mais ça faisait partie d'un modèle, c'était les Roudoudou Socks, qui étaient faites comme ça, avec ce talon fait à l'envers, et je trouve ça très joli, ma foi. Voilà, donc vous voyez que ma laine à speckle, que je vous la montre en cake, je vous avais dit que j'allais vous montrer. Voilà, ça donne ça. Bah, ma foi, c'est pas, voilà, c'est pas moche. Mais j'aurais pu faire tout en jersey, hein, ça m'aurait. Et puis donc ma laine comme ça pour mon talon, ça donne ça. C'est joli. Enfin, c'est joli. Moi, ça me convient. Et puis, la chaussette que j'avais tricotée avec ça, elle est faite aussi. Alors là, c'est la Woodruff. Sweet Woodruff. C'est un modèle gratuit. Alors, je vous montre en glissant ma main dedans. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Alors là, avec un talon renforcé tout à fait ordinaire, et c'est là-dessus, alors là je l'ai bien faite, c'est là-dessus que on a la pointe en étoile, et que j'ai fait là avec les bonnes dimensions. Et voyez, c'est très arrondi, c'est très joli et très facile. Je vous montre ça comme ça, vous voyez les petites
les petites côtes là que ça fait, ça dessine. Enfin, moi je les vois bien, mais voilà, là on voit, hein? C'est pas mal. Bon, ben moi j'aime bien, donc je ferai ma deuxième comme ça, parce que autant celle-ci que celle-ci, j'ai fait une chaussette de chaque pour vous montrer le résultat de ma laine teinte. Voilà, mes essais de teinture, ça donne ça. Pas mal. Bon, je m'en satisfais. Et puis, je vous avais montré dans le dernier épisode que j'avais acheté de la laine fontie pour tricoter des chaussons. Pour tricoter des chaussons, et j'ai commencé. Alors ça, c'est la fontie Nimbus que je tricote en 3,5. Regardez comme c'est joli. Moi, je trouve ça très chouette. Alors, c'est vraiment mon premier jacquard compliqué. Alors, vous voyez, ça va être le talon du chausson. Et puis là, donc, je suis en train de construire l'avant du chausson. Voilà. Donc, je disparais parce que j'ai mes affaires qui s'envolent. Je trouve ça super chouette, hein. Voilà, je suis fière de moi, c'est un grand mot, hein, mais je suis contente. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors donc, je continue et puis, en fait, on continue, puis au bout, on fait un système comme ça, mais à l'autre bout, quoi. Voilà, bah écoutez, ça fait un tricot assez épais. Alors, là, j'ai tricoté j'ai 60 mailles en tout et je tricote en 3,5. Donc, je pense que si on veut une taille plus petite ou une taille plus grande, il faut jouer avec les aiguilles ou la laine. Mais la Nimbus, là, ça fait un tricot. Alors, sûrement, surtout que c'est, là, regardez l'envers, c'est vraiment, c'est du tissage, hein. Alors, ça fait deux épaisseurs de laine, c'est super, ça va faire des beaux petits chaussons. Donc, ma foi, une découverte pour moi. Donc, ça vient du livre 52 Weeks of Socks. Cette semaine, j'ai reçu un joli sac que j'ai commandé à Magicilène d'Anila. Elle l'avait mis, voilà, c'est un pochon comme ça. Alors, il y a des pochettes là, il y a des. Voilà. Il est. Vous voyez, on peut fermer là au-dessus. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, je suis en train de regarder. Non, il n'y a pas de poche à l'intérieur, mais il y en a trois à l'extérieur. Voilà, avec une petite étiquette comme ça. C'est très frais, c'est très joli, avec deux belles anses. Vraiment, j'avais acheté des sacs à Christelle Tricote, mais il faisait très Noël. Alors j'ai dit, tiens, bon, ben, ça va être le printemps, allez, soyons fous. Et puis, c'était un modèle prototype de Danila, Magicilène. Et donc, oh, allez, je me suis fait ce petit plaisir. Et puis, pour ne pas juste me faire envoyer un sac, voilà, j'ai commandé des mini, comme ça, qu'elle avait mis. Alors, j'en ai commandé trois. Et le nom de ces choses-là, c'est. Le nom de ces choses-là, c'est Soirée d'été. C'est du mérino 75% et nylon 25%. Et voilà, là, vous avez vraiment la bonne couleur. Et bon, alors, j'ai commandé ça parce que je me suis dit, moi qui ai fait de la teinture. Vous voyez, je me disais, et alors c'est rigolo parce que ça ressemble un peu à ce que j'ai fait. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est un peu plus chamarré,
Mais vous voyez, on est dans les tons, quoi. Alors, donc, il y a une constante. En ce moment, je suis un peu rose, quoi. Je fais dans le rose, comme les vraies filles. Voilà, donc, Magicilène, avec sa carte, sa jolie carte, son logo, c'est sa fille qui lui a créé. C'est très joli, très délicat. C'est un petit... Vous voyez, c'est mignon comme tout. Voilà, alors donc j'ai commandé trois petits écheveaux comme ça. Et bien sûr, j'ai eu des petits sachets de thé. Voilà. Et puis, elle m'a offert aussi, que je vous montre ça. Si je l'ai. Ah, je ne l'ai pas laissé là. Ce sont des petites, ben je l'ai mis sur Instagram, c'est des petites plaquettes de cire très odorantes qu'on met, qu'on fait fondre. Et ça sent bon. Alors voilà, bon, ben je me suis fait, elle m'a fait plaisir. Et puis là, c'est un petit cadeau que j'ai reçu de Danila, un joli petit écheveau mauve. J'adore cette couleur. J'en ferai, comme il me reste les chevaux, une partie de les chevaux que j'avais acheté l'année dernière, ça ira avec. Donc voilà l'avancée des chaussettes. Les Woodruff là, bien sympa à faire. Pas trop compliqué, hein, c'est pas compliqué du tout. Puis je vous avais mis le lien, je le remettrai encore cette fois-ci, mais je vous avais mis le lien de ces chaussettes-là, je vous les avais montrées dans un des derniers podcasts dans mes patrons gratuits, parce que c'est un modèle gratuit, hein, voyez, et c'est très joli. Bon, ben la suite au prochain numéro. Voilà, je retourne tricoter. À bientôt. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques modèles de patrons gratuits ou pas. Et comme d'habitude, cette fois-ci, la différence, c'est que j'ai utilisé l'enregistrement de mon ordinateur, de mon écran, pour vous montrer les modèles. Je pense qu'on les verra mieux, vous verrez mieux les photos des modèles, je vous montrerai plus les détails. Donc on va faire ça pour que vous puissiez voir toute une sélection de patrons. Alors on va commencer avec le Komori Shawl, qui n'est pas gratuit pour le coup, il coûte 7,20 €, mais il a une forme très originale et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc vous voyez ici la forme en deux morceaux. Bon, ici il est présenté en deux couleurs. Et voilà, c'est vraiment une originalité. Alors c'est ce qui m'a attiré dans ce modèle. Je ne sais pas s'il est pratique à porter. Quand on le voit comme ça, c'est pas mal. Il peut se mettre de plusieurs façons. Vous voyez, là, elle a mis la grande partie comme ça en bas. Mais je pense qu'on peut croiser les panneaux et puis en faire comme un cache-cœur. Voilà, 7,20 €. Ensuite, il y a le petit gilet boîte à boutons. Alors, celui-ci est gratuit. Il faut aller récupérer le patron sur le site internet. Il est très joli. Ça fait un point en quadrillé. Il a des petites poches, vraiment, je le trouve très saillant, avec un petit col châle un peu. Voilà, on voit plusieurs modèles. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont rajouté des bubbles à certains endroits, au lieu de, vous voyez, vraiment très mignon. Et c'est un modèle gratuit. Alors, en fonction de la laine qu'on utilise... voilà, vous voyez, c'est gratuit. Là, je vous montre en milieu d'écran. Vous allez arriver sur le site
Et moi, dans mon navigateur, j'ai l'option traduction, ce qui fait que mes pages, là vous ne pouvez pas lire, mais les pages sont, c'est traduit. Donc j'ai récupéré le fichier en PDF, moi, c'est facile. Et voilà, il est, voilà. Ensuite, le Winter Garden Sweater, alors gratuit aussi. Alors, c'est un petit pull avec le bas avec un motif texturé, une grande encolure bateau. C'est des petites torsades, ça semble. Alors, en fonction du fil, vous voyez, il a tout à fait une autre allure. Il y a un petit peu de texture au bout des manches aussi. Voilà, on peut le faire un peu plus loose, un peu plus large. Voilà, c'est un modèle gratuit. Alors ici c'est un châle tout simple qui est unisexe on va dire. C'est un châle avec une arête centrale et qui est fait en côte plutôt qu'en point mousse. Mais vous voyez c'est le fameux châle qu'on commence à l'arête centrale avec des augmentations de chaque côté. J'ai essayé de rechercher avec des laines plus claires pour qu'on voit... voilà qu'on voit le motif, voyez. Donc ce sont des rangs de côte. Alors c'est certainement un peu plus long à tricoter que du point mousse. Ici ce sont les Azali Socks, modèle gratuit, voilà, avec un point texturé très joli pour changer un peu, avoir un voilà, il y a, avec des côtes sur l'arrière et puis un petit motif sur l'avant. C'est un modèle gratuit. Alors le châle Caradal n'est pas gratuit, mais il n'est pas cher du tout, il est à un peu plus de 4 euros et il est très joli. Alors ici vous le voyez en bicolore. Mais vous allez voir, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce motif un peu texturé, parce que le début, c'est tout simple, ce sont des rayures, mais ce beau motif-là. Et vous allez voir, il y a un modèle qui est en uni, et ça rend... Alors, de tous les, il y a tout un tas de coloris, celui-ci est très joli aussi, voilà. En fonction de la laine qu'on utilise, ce châle, il a une toute autre allure. Et on va avoir un modèle fait en uni, écru, qui est magnifique. Je l'avais trouvé hier, donc on va le retrouver. Il a été beaucoup tricoté, vous voyez, voilà, voilà le modèle. Regardez s'il est beau en uni aussi. Avec une laine un peu rustique, tiens, j'imagine bien, vous voyez, c'est... Et ben, même avec la fontie, tiens, qui est une grosse laine, je suis sûre que ça ferait un gros doudou magnifique. Ici, on a le cardigan mort. Alors, il est payant, mais pareil, c'est un beau cardigan avec des poches. Et une grande encolure, vous voyez. Alors, il n'a pas un prix excessif et je lui trouve, voilà, je trouve que c'est un gilet qui est assez intéressant. Voilà, 6,90 €. Alors... À la suite, nous avons le pull brick, très mignon, il est gratuit, on va voir le détail, je voudrais vous montrer, voilà, il est tout simple, hein. C'est vraiment un pull très simple, vous voyez, avec une grande hauteur de côte. Un bon basique, on va dire, le modèle brick, gratuit. Ici, vous avez Autumn Adelph. Alors, pareil, c'est une étole, modèle gratuit, avec une jolie dentelle qui n'a pas l'air très compliquée et qu'on peut faire à la longueur qu'on a envie. Là, elle n'est pas très longue,
Mais voilà, c'est. Voyez, ça, pour se s'envelopper ou même en cache-colle, comme on dit. Ensuite, les Gansey Girl, les chaussettes Gansey Girl, gratuites aussi, c'est la texture. Vous allez voir, il y a un peu de point-de-riz, un peu de jersey, avec une arête centrale. Les chaussettes, c'est la vie. Voilà, vous voyez que c'est uniquement un jeu de points mousse, jersey ou point de riz. Ça ne doit pas être bien compliqué. Alors ici, c'est le sweatshirt sweater de Pearl Soho. C'est un modèle gratuit qu'il faut aller chercher sur le site aussi. Il est en anglais, mais c'est un basique avec une poche sur le devant. Alors ça c'est pareil, hein, c'est unisexe, je pense que fille ou garçon, voyez, en fonction de l'aisance qu'on va mettre à ce pull, je le trouve très intéressant ce pull. Avec des beaux raglans, vraiment. Pearl Soho, vous pouvez aller sur leur site et récupérer ce patron. Voilà, je vais vous montrer, voyez, en allant sur le site de Pearl Soho. Et pareil, si comme moi, vous avez les pages traduites, vous pouvez obtenir le. C'est une option dans votre navigateur, ça, de traduire les pages en anglais automatiquement. Et donc là, vous obtenez la traduction du patron. Vous avez même un espèce de pas à pas où on vous montre comment faire. Voilà. Alors, ensuite, le 5 dollars à Paris. Alors, c'est un petit t-shirt gratuit également. Voilà, avec des rayures. Mais alors là, on fait les rayures ou on ne les fait pas, c'est bien comme on veut. Et vous voyez qu'il est ajustable. Là, il est fait en tunique. Vraiment, c'est un modèle qu'on peut mettre à sa convenance. On peut lui ajouter des grandes manches, vous voyez ici. Faire un modèle printanier en fonction de la couleur qu'on va utiliser et du fil. Donc ensuite on va avoir le tee timeless. Alors c'est un t-shirt. Très souple en color block, mais c'est pareil, là encore, c'est affaire de goût. Si on a envie de le faire en unicolore, c'est possible aussi. Voilà, il a quelques petites originalités, vous voyez, sur la manche, avec une bordure en point mousse et puis on coud un petit bouton. Il est gratuit. Ensuite, le Pretty Mallory. Pareil, toujours un modèle gratuit de petits pulls. Alors là, il est en manche 3/4, mais bon, je pense que voilà, on doit pouvoir. Vous voyez, il y en a qui l'ont fait en manche courte, en manche longue. C'est de la dentelle sur les manches. Voilà. Alors. Comme ça, vous voyez, en naviguant dans les modèles qui ont été tricotés, ça donne tout à fait l'idée de ce qu'on peut faire avec ce patron. Voilà, regardez ici un très beau modèle avec les manches longues.
le petit Mallory. Alors ensuite, on a le Beechnut Pullover. Alors là, c'est une bande de dentelle sur l'épaule, enfin sur la manche. Très original aussi. Vous voyez? Très belle dentelle. Alors, il est fait en crop ici, mais rien ne nous empêche de le faire plus long. Je pense que si on va voir certains modèles, vous voyez qu'il y a des personnes qui l'ont fait plus long. Si on prend un coton, par exemple, on va pouvoir faire un pull d'été. Il a un beau col V ici. Voilà, c'est toujours inspirant de voir ce que les gens en font de ce patron. Alors, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter cette semaine. Je vais donc continuer à tricoter mes petites choses, mes petits chaussons. Je vais faire aussi un No Frills cardigan. Donc, non pas cardigan, le No Frills sweater. Parce que je le vois passer sur pas mal de podcasts et ils me tendent beaucoup, donc je pense que je ferai ça, et puis je remettrai le Cumulus Blues en route avec une laine différente, voilà, donc c'est le programme pour les semaines à venir, et donc nous on se retrouvera bientôt avec mes avancées tricot. Alors, j'avais dit que je lancerais un concours pour mes 1400 abonnés, nous n'y sommes pas, donc ce sera dans le prochain. Et en attendant, bah écoutez, j'attends vos petits commentaires, vos pouces en l'air et vos abonnements pour pouvoir lancer ce fameux concours. Et je vais vous laisser avec quelques images, d'ailleurs les mêmes que vous avez pu, enfin le même, la suite de ce que vous avez vu en introduction, les petits canards sur la mare que j'ai le plaisir de voir tous les jours qui viennent me rendre visite, parce qu'évidemment ils viennent pas par hasard, je les nourris un petit peu, je leur mets un peu de graines, ça les encourage à venir. Et puis j'espère qu'au printemps on aura des petits et ça sera tout à fait amusant de les voir se débattre sur l'eau. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite bon tricot et prenez soin de vous, comme on dit toujours, mais on n'est pas très maître dans le domaine, donc on fait au mieux. À très bientôt, au revoir.